sans plus tarder, nous tous, nous savons très bien que nous sommes venus ici pour la gloire de notre papa, papa Okebo Kolo, il vient de totaliser 60 ans d'âge. Alors je vais lui appeler, sous vos applaudissements quand même, parce que les gens savent que l'on a papa Okebo Kolo, venez rapidement. Venez à vous colonailler, il y a un 5 ou 60 ans d'âge, ce n'est pas donné à n'importe qui. Les gens sont ici 60 ans d'âge, et ça pour la yéte, mais ça a une volonté à Nzambé. Nzambé Moutoualingi Ango a conquis ça vraiment 60 ans d'âge, pourquoi pas? Nzambé Nabisso, Namawanaye, allez qui s'en sur plus. Et ça n'est pas la tienne? Oui! 120! 120! Avant que papa Bokulu, parce que c'est lui qui est à l'honneur aujourd'hui, avant sa parole, Nazana mon témoignage, j'ai moqué à couper ça à papa Nabissou. Parce que Nabandeko Bayebina, Nabobanité, à sa moquille, on en a, mais Nabenga Kaye, quand il y a film. Pourquoi quand il y a film? Tu es des filles à Poto, Nenge Salaka. Tu es un poto comme on a papa et un poto. Moi, ça t'a dit que je suis un poto. Mais ce grand monsieur, l'imbissa papa n'a pas bien grand grand monsieur. Pourquoi? Parce qu'il y a un kilo. Mais, ah, moi, tu es un poto. Au commun, on a dit que c'est papa à ses pataki à la katia poto. Ma casse connaît a dit que moi, c'est un Kinshasa n'a pas. A bota kemine, ba na ba yepe na poto na mwasi na ye, iso pe balumba ba ona ba mandanana to sawana, to profite sima, ya tatoy, to yibi ba na ye, a fako tuto koma, to yibi ba na ndenge ya solo, ya ekseko. Se papa, ino mo mwende ya te a poto, a se bat, a bongi si ma kamuna era mokanda nyoso. Mwa si ba natan ma komi na poto, izate ma gena kongua kangunda. Ba si ba komi awa na mwa si na ye. Direte ma se kom si ba si ba tonga kenda ko ino mo yaga kona. Se pupa gena binga kaye, ganga film. Soko zalepe na mwa si moka ma kasete, ata ozo ko se batre. Nere tri moko, na bota ka bakotele. Bakotele. Derrière ce grand homme, il y avait aussi une grande dame. Alors cette grande dame, elle s'appelle Maman Astrid. Venez rapidement Maman Astrid, comme Maman Marie. Elle s'est bâtie à Kinshasa avec ses quatre enfants. Comme elle est maman comme Maman Astrid. Motema ya papa Mouki Moukoulou. Voilà notre maman, elle est là. Cette dame aussi, elle s'est bâtie à Kinshasa. N'encadrement qui t'a pas banana, et puis le loubanané mieux souligné, si babala, allô. Donc on présente le loubanané rapidement avant que papa et maman m'a fait la bisson piste après bisson, ni au son. Donc on bina, alors venez un peu rapidement les enfants. Après, vous allez venir après. Donc elle, c'est l'aînée de la famille, Yemona Liboso. Hier, à Salarané, on l'a mené à Kinshasa. À Zalbitre, on l'a mené à Mboka, donc elle est vraiment arbitre international. À Kenya, rapidement, on a un pays d'Afrique pour arbitrer un match. Mokolo Moussousou, match avec club, il m'a dit que je suis allé à ma tête à Kinshasa. Mais à ce Posaki, devant Lyon, il m'a dit. Et puis, tu m'as félicité que tu m'as dit quand même à Mboka, elle s'appelle. Je suis le couloir de l'arbitre international de la République démocratique du Congo. Tout ça peut, Oya Nandiye, elle s'appelle Adèle Mokulu. Yéndem Talandiye Yanaye, tout le monde est quand même à Boko Makassi. Yépi Siabala, Yépi Abala, na Kinshasa, Yépi Abali, na Paris. Ou Bali n'est pas ça, on a tout le monde à Yéwala. Tout ça pour se battre, tout le monde est à papa qui est en même lieu dans le restaurant. Papa, c'est pour plein de thé. Le restaurant est comme ce qui est côté Nini. Vraiment, c'est très joli. Il y a un film. Il y a Adèle Mokulu. Il y a un film qui est à Kinshasa, donc il y a un film qui est à Bosonga. Et puis, tout ça, la troisième. Yayo. Oh!
Elle s'appelle Alphie Bukulu. Donc il y est né à sa troisième année de la famille. Donc moi c'est le baba, moi je déjà yayo. Et pour toi terminer. Ah ok. Donc avant de terminer, je vais ajouter ceci. Entre Alphie et Becky, il y avait Fanny qui est décédée en 2003. Si on peut garder une minute de silence pour elle. Si même elle n'est pas parmi nous, gardons juste une minute de silence pour Fanny. C'est ma fille qui est décédée en 2003 à l'âge de 16 ans. Merci. Nous pouvons nous mettre debout, s'il vous plaît, pour une minute de silence, s'il vous plaît. Avec tout le respect du monde que je voudrais. Merci beaucoup. C'était pas l'occasion, excusez-moi, mais c'est de l'émotion pour moi. Excusez-moi, mais merci beaucoup. Alors celle qui a bouclé la libota à papa Muki Mukulu, elle est là, elle s'appelle Becky Mukulu, elle aussi elle est mariée. Au bal de la zone, elle est même pas mon cassis, c'est pour moi le Maki. Donc la titane de film là. On a qui vraiment pour la consacre et l'eau comme vraiment. Il y a pour ça qu'on a dit. Alors, pardon vraiment. Merci, merci encore vous tous qui êtes venus pour répondre à cette invitation qui est une grande surprise pour moi. Vraiment, je vous jure que je me trouvais toujours un peu prudent et ne pas tomber dans de pièges, mais aujourd'hui, je suis vraiment dedans. Et je passais là comme un fou, vous en faisiez tout devant moi, je ne comprenais rien. Juste, donc vraiment, c'est une grande surprise. En tout cas, merci beaucoup pour cette organisation et à vous tous qui êtes venus pour vraiment me rendre cet honneur. Merci beaucoup encore. Bonne soirée. Merci beaucoup, l'État de Dieu. Ça va, c'est bon, madame. Merci.
Oh.
on se peut donner n'importe qui. Alors tous les enfants, si vous pouvez venir. Chimchimanga. Sonal qui manque ici, venez rapidement s'il vous plaît, Miko. Et Miko, Sonal, voilà. Ah, il est là. C'est mon frère. Mm-hmm. Je croyais qu'il était mon grand frère. Mais je n'ai pas mené la trompette pour jouer avec lui. Mais c'est honoré. C'est jouer l'oreille avec mon souffle. Voilà. C'est ce que je veux dire. Voilà. Ok, vas-y.